Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est Kayato, aujourd'hui on se retrouve sur Super Mario Bros. En FPS. Alors, les petits sons que vous avez entendus au début, ça ne peut que vous rappeler des souvenirs. Mario, 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 le premier Mario que on a joué, je pense la plupart d'entre nous. Pas d'entre nous? Oui. Et honnêtement, quand je suis allé sur GameJolt pour chercher des jeux et que j'ai vu Mario FPS, donc c'est-à-dire à la vue en fait directement de Mario au lieu qu'on joue en fait en 2D, j'ai fait, je me dois de jouer à ce jeu. C'est toute mon enfance, regardez là-haut. Donc je commence tout de suite un nouveau jeu directement, j'ai vite fait pris le jeu en main. Enfin bon, le jeu en main, à part sauter, voilà quoi, c'est Mario hein. On va pas demander non plus 50 000 choses à la fois. Bon, je sais juste comment pas courir. Je ne sais pas comment on court. Donc, c'est super. Ouais, les chargements sont un peu longs. Et donc, c'est parti. Le jeu est juste sublime. Oh, mais regardez, c'est pas génial quand même. Allez, c'est parti. D'accord. Ok. Je commence super bien. Bon. On oublie ça. On oublie, on dit que j'ai toujours 3 vies. Hein. Allez, c'est reparti. Je l'ai tué! Ah merde, c'est vrai que j'étais le premier, je crois, qui avait le champignon. Allez, yeah! Bon, honnêtement, vous reconnaissez tous le premier niveau qui était juste ben, assez simple, même si je suis mort, ok, mais on dira rien. Mais juste la base, quoi. C'est la base, ça, c'est. Ben, tout le monde a déjà joué à ce niveau, mais pas beaucoup de monde lui ont joué comme je veux jouer actuellement. Alors, c'est parti, on shoot dans les blocs, hop, on leur défonce les fesses, hop, on saute dans le bon sens. C'est chaud. Alors, tout à l'heure, petit aparté, j'ai voulu donc savoir comment tirer les boules de feu. Parce que c'est quand même pas mal quand on jouait avec Mario de feu, ou de glace, ou de je ne sais pas quoi. Et bien, figurez-vous que ils ont très très mal choisi leur touche. Ils ont choisi la touche Shift. Oui, la touche Shift, c'est bien ça. Et quand tu spammes cette touche, et ben vous savez, ça fait les touches rémanentes, là. Le fait ben, que ça fasse... Quand on touche une touche, n'importe laquelle après. Donc c'est super, tout à l'heure j'ai joué et puis pouf, ça m'a enlevé du jeu. Bon bref, on va continuer tout simplement. Bon, le premier niveau est vraiment pas compliqué, j'espère pas aller non plus trop... limite j'ai envie de dire, j'ai envie de mourir vite parce que sinon la vidéo va être longue et va être chiante. C'est bon, Mario, c'est bien beau, on connaît tout ça, mais à la fin c'est répétitif. Donc voilà, le premier niveau est fini. Voilà! C'est bien la première fois qu'on voit Mario directement dans le château quand même. Hein. Parce qu'on ne savait pas ce qu'il faisait à l'intérieur. N'est-ce pas? Ouais, directement, deuxième niveau dans le truc là, la cave ou la grotte ou je ne sais pas quoi. J'espère pas faire de la merde. Et au moins finir ce niveau. Au moins celui-là. Allez. Vide. Je sais, je sais, je sais. Bon allez, c'est parti direct, je vais les flinguer direct, genre papa. Non, je t'ai dit pas papa. Non, encore. Oh putain. Qu'est-ce que je vous disais? Touche rémanente. Sérieusement, oui, bah vas-y, bah, amuse-toi à faire bip bip ou je sais pas quoi. Ah. Ah bah ça fait pas. Ah oui d'accord, on peut. Oui, ok. Bon, on continue. J'espère pas que ça le refasse encore 15 fois parce que ça va me saouler un peu à la fin. Bon, on verra. Ça rame un peu, hein. Enfin, il y a du décalage en fait. Ouais, du bon gros décalage en fait. Faut. Comment dire?
salut. Salut, belle gosse. Non, mais regardez. Regardez leur gueule. En mode. Salut. Là, tu vas te prendre ma boule de feu dans la gueule, hein. Je suis désolé, mais voilà. Désolé, t'es morte. Alors, au moins, le super avantage par rapport à quand on joue sur, Game Boy, c'est que là, en fait, on voit largement par avance, où sont en fait les monstres, quoi, tout simplement. Sauf que là, ça veut pas, bien évidemment. Non, 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 non. Ah ouais, mais attends, mais ça va être génial, mais comment j'ai passé? Bon, attends, je suis pas encore super habitué aux touches. Bon, méthode basique de chez Mario. Défoncer des cubes à la main. Oui, à la main, oui, oui, c'est pas avec sa tête, c'est bien avec la main. Si vous regardez bien, c'est avec son putain de poing. Mais il y a des décalages de ouf. Mais regardez, le génie. Mais meurs! Une fois, c'est quand on principe. Alors, est-ce qu'on va faire... Ah, je sais. Vous savez, le petit raccourci quand on passe tout en haut, là, tout en haut de la map. Alors, attendez, si je me trompe pas de touche. Putain, avec le décalage, c'est super chiant. Mais merde, quoi. Vous savez quoi? On va le faire. On va aller tout droit, directement. Bon là, sauf si je meurs, parce que là, je suis tout petit. Allez! Ah non, c'est même pas du tout cette musique, en plus. C'est vraiment de la merde, des fois. Et oui, merci, c'est la première fois que je monte ma tête à la caméra. Je viens de remarquer, hein, au bout de 7 minutes 2. Donc c'est super, bravo, GG. Ah, le décalage, il est horrible. En fait, il faut sauter et après bouger. Parce que si tu fais l'inverse, t'es dans la merde. Vous savez, genre là. Là, 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 là. Est-ce que c'est le bon timing? Oui! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Vous voyez, là, c'est super, parce que là, on voit tous les mecs qui se font dégommer. Oh. Allez, repète les murs, repète les murs. Oui, parce que je sais pas du tout comment on fait pour s'abaisser, donc c'est super. Surtout, ne pète pas les murs, en fait, finalement. Hein, mais pète le mur. Mais voyons. Mais... Ah. Allez, avance. Non, 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 non. Oui. Oui, mais c'est vrai que les Goombas sont pas très, très intelligents. En fait, eux, quand ils voient un trou, au lieu de se dire « Oh, mais je pourrais peut-être sauter par-dessus ou faire demi-tour !» Eux, ils sautent directement. C'est ce qu'ils appellent des suicidaires. Bon, là, s'il te plaît, meurs pas, Mario. Sinon, on prend de la pièce, on voit plus rien sur l'écran. C'est génial. C'est génial. À vrai dire, au moins, on sait maintenant quel est le point de vue de Mario quand il joue à ces jeux. Parce que, au final, nous, c'est tranquille. Hein. Nous, on est de loin. On fait « Oh, ben, ça va, tranquille !» Mais Mario, lui, en vrai, il voit rien. Quand il a des pièces en plein devant la gueule, il voit que dalle. Allez, saute, ne meurs pas, c'est tout ce que je te demande. Voilà, vous êtes vraiment débile, vous allez vous suicider. Regardez, un. Ouais, 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 ouais. Ah, là, ça va être génial avec le décalage. Ouais, ouais. Ah, bah, game over. Bon. Ce fut court, ce fut intense, hein, parce que jouer comme ça, c'est pas forcément évident. Je vous invite à télécharger et à jouer, parce que honnêtement, c'est réellement pas mal. Moi, après, je vous avoue que là, c'est des niveaux encore simples, et je suis mort un peu comme une merde, grosse merde. Et je pense qu'à la fin, ça doit être pas mal difficile quand même, hein, quand on doit gérer plein de choses en même temps, sachant que je sais juste à peine avancer et reculer. Waouh! Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère en tout cas que celle-là, elle vous aura plu. Et donc, ciao !